Bref, j'ai voulu vous partager ce moment et au final, tu te dis, bref, des commentaires comme ça, j'en ai plein. Tu te dis, au final, j'aurais dû rien partager du tout. Non, mais après, les gens, ils s'étonnent qu'on montre pas nos sacs à main, nos cadeaux, genre nos cadeaux à nous et tout. Enfin, mais non, on peut pas. Enfin, genre, rien que là, c'est pas, en plus, c'est pas comme si les enfants les emmenaient tous les jours dans les magasins de jeux et qu'ils achetaient des tonnes de jouets, qu'on les pourrissait, gâtés tous les jours, tous les jours. Non, voilà, c'est Noël, anniversaire. Enfin, ça va, quoi. Et puis on peut se le permettre en soi. Donc si on fait pas plaisir à nos enfants dans ces moments-là, on fait jamais plaisir, quoi. Bref, franchement, trop relou. C'est pas grave. Allez, ça peut me gâcher mon moment. Liwen, Dodo, elle veut que jouer maintenant. Tu veux jouer toi aussi, je sais, mais tu joueras demain. Ah, demain, je sais pas si il va y avoir de la nurserie, hein. Je suis pas trop sûre. Parce qu'ils ont pas très envie, ils ont envie de jouer à leur cadeau, je comprends. Ça dépendra à quelle heure ils se lèvent et tout. Parce que bon, c'est quand même bien aussi d'aller à la mercerie, de retrouver ses copains. Que moi, j'ai le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Parce que là, du coup, ben, quand on est parti quelques jours, on a 1 milliard de trucs à faire. Au niveau des papiers, des trucs. Enfin, voilà. Forcément, quand tu prends des vacances, entre guillemets, ben, il faut s'y remettre. Bonne nuit, ma princesse. Et voilà, 2h32. Bon, elle pleure pas. Non, je crois qu'elle se rappelle, en fait. Enfin, je sais pas. En tout cas, elle pleure pas. Voilà, j'ai retrouvé ma deuxième valise. Regardez-moi dans quel état ils ont mis la valise. Non, mais comment c'est possible? Je vous jure, c'est une des valises les plus solides qui peut exister. On dirait qu'elle a eu un accident de voiture. De camping-car même.